Bonjour, c'est Urbain. Avant de commencer le top, je tiens à dire que vidéo, lundi, mercredi, vendredi, 17h, abonnement, cloche, notification, joie et prospérité. Voilà. Aujourd'hui, un sujet plutôt classique mais qui fait toujours zizir la famille. On va parler des lois les plus bizarres encore en vigueur en France. Alors, la plupart de ces lois sont vieilles et ne sont pas abrogées, mais grâce à la jurisprudence ou à l'usage, elles ne sont plus appliquées du tout. Ça fait quand même chelou de savoir qu'à un moment dans l'histoire du pays, on a pensé que c'était impératif de faire ces trucs. Numéro 5, il n'est pas vraiment interdit de boire au bureau. Il y a bien un décret de 2008 qui dit qu'aucune boisson alcoolisée n'est autorisée sur le lieu de travail. Bon, déjà on a attendu 2008 pour être sûr, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a un article qui précise qu'il y a des exceptions comme le vin, la bière, le cidre et le poiré. Alors le poiré ça ne dit rien et c'est normal parce que la production en France est extrêmement limitée en raison de la rareté des poiriers à cidre. Mais le beau-frère du seul mec qui en fabrique en France devait être là le jour où on a fait la loi et donc on a voulu lui faire plaisir. Bon après, on n'a rien contre boire un coup entre collègues, mais là c'est de la schizophrénie. Ça revient à dire bon, les gars, le meurtre c'est interdit, sauf si le mec en face t'a gonflé. Numéro 4, on peut faire des chèques sur du papier de toilette. Alors on pourrait croire que c'est une légende comme le mec qui a fait feuille blanche avec le sujet, qu'est-ce que l'audace, ou les Apple Minis dont je commence à douter l'existence puisqu'on peut plus en trouver dans le commerce alors que bon c'était excellent, qu'est-ce qui est arrivé aux Apple Minis. Mais c'est vrai, on peut bien faire un chèque sur n'importe quoi du temps qu'on rentre toutes les mentions légales. Donc on peut le faire sur un énorme bout de carton, on peut le faire sur un post-it, et donc on peut le faire sur du papier toilette, même si certains ont été refusés, mais c'est pas parce que c'était sur du papier toilette, c'est parce que le matériau était pas assez solide. Donc normalement, avec du triple épaisseur spécial irritation du boule, vous pourrez faire un chèque. Ça ne sert à rien, mais vous pouvez le faire. Numéro 3, on peut voter pour un mort. En France, une fois que les listes électorales sont faites, il n'y a aucun moyen de les changer, même si on meurt. Donc techniquement, si un candidat meurt peu de temps avant l'élection, on peut quand même voter pour lui. C'est arrivé à Gilles Suze aux élections régionales de 2012, qui a réussi quand même à faire 1,5% alors qu'il était mort. Donc plus que Jean Lassalle, vivant. Vivant, pas forcément sur cette planète parce qu'on comprend rien à ce qu'il raconte. Les progrès dont nous ne pouvons tous que nous réjouir. Mais vivant. Par contre, ça ne marche pas pour les présidentielles. Là, si un candidat meurt avant le scrutin, on reporte l'élection. Même si c'est ce gars-là, on reporte l'élection. Numéro 2, on peut être propriétaire de la terre et du ciel. Celle-ci est encore en vigueur et peut surprendre, mais quand on achète une propriété en France, on achète aussi ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous. Alors vous allez nous dire. On va les couilles, frère. Mais ça veut dire que si tu fouilles en dessous de ta baraque et que tu trouves du pétrole, des fossiles ou des Apple Minis, eh ben c'est à toi. Techniquement, t'as aussi le droit de construire en hauteur, donc de rajouter des étages à ta maison. Mais ça, il y a sûrement des lois en rapport au paysage qui vont t'interdire de construire un immeuble de 15 étages si t'habites au milieu de Limoges. Ouais, en même temps, ça servira à rien aussi. Numéro 1, on ne se vole pas dans la famille. La famille, c'est beau, c'est l'occasion de se retrouver tous les soirs à table pendant 20 minutes pour soit ne rien se dire ou s'engueuler, mais la famille c'est aussi un lien où on ne peut pas se chourer des choses. Si ton fils te vole ta caisse, se barre à l'autre bout de la France, tu peux pas porter plainte contre lui, ni contre ta femme d'ailleurs. Dans la famille, on est dans le pré, donc pas de possibilité de poursuite au pénal. Mais évidemment, cette loi est dure à appliquer parce que les gens se font souvent des petits coups de couteau dans le dos assez régulièrement dans la familia, et donc maintenant, il y a possibilité de poursuite si l'objet est indispensable à la vie quotidienne. Donc tout ce qui est carte bleue, télécommande, rap à fromage. Ha ! Je suis parti avec la rap à fromage et vous me reverrez jamais ! Voilà, on espère que ça vous a plu. Je sais qu'il y a des juristes qui nous regardent, donc n'hésitez pas à nous dire si on a dit des conneries. Après, je sais pas pourquoi je précise, je connais un peu les bestiaux. Ils ont déjà dû commencer à sortir leurs plumes d'oie pour gueuler dans les coms à base de nonobstant et d'article 12. Allez, à bientôt !